Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui, on parle du Galaxy A52 5G. J'ai tourné la vidéo il y a plusieurs mois, j'ai voulu le tester et vérifier un petit peu les capacités de ce téléphone. Je vous livre cette vidéo dès maintenant sur l'unboxing, test et puis surtout pouvoir transférer ses données de son ancien téléphone, si c'est un Samsung, sur ce nouveau téléphone Galaxy A52 5G, juste après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Sur cette chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, de tutos, d'astuces, d'unboxing, de rétro gaming, bientôt d'imprimante 3D. Mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement du Galaxy A52 5G. Cette vidéo a été tournée il y a plusieurs mois, mais j'ai fait que le montage récemment. Donc du coup, je vous livre cette vidéo sur ce Galaxy A52 5G. Sur l'unboxing, l'installation et puis aussi sur le transfert d'un ancien téléphone sur ce nouveau téléphone. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing du Galaxy A52 5G. Alors, à l'intérieur nous avons donc le manuel et la petite clé pour pouvoir insérer la carte SIM. À l'intérieur, donc, nous avons donc le téléphone, le A52 5G, un chargeur, mais c'est pas le chargeur 25 watts, le câble qui va avec le chargeur. Des égoutteurs, donc nous retrouvons donc une prise pour le charger et une prise jack. Quadruple capteur de photo. Le petit poinçon ici, c'est pour la caméra avant. Ce Galaxy A52 5G. Donc, nous allons donc choisir la langue. Voilà, donc mon ancien appareil me dit qu'il est connecté au Galaxy A52 5G. Et donc ça transfère les données. Et voilà.
En conclusion, eh bien, ce téléphone a un très bon rapport qualité-prix. Si vous l'achetez en plus de ça maintenant, je pense que vous allez l'avoir à un prix relativement assez bas. En ce qui me concerne, je trouve que ce téléphone est très bien, très bonne photo. Je suis assez surpris d'ailleurs de ses qualités. Pour ma part, je vous dis à dimanche prochain. Sur ce, ciao les amis.